Oui, bonjour. Bonjour, le soleil se lève. Sur notre plaine. Il fait beau. Attends, on replante la canne à sucre. Ouais, c'est vrai qu'il est beau. Magnifique. Bah du coup, j'ai un de canne à sucre en rab, moi, pour le décomposer. Je sais plus ce que ça donne, la canne. Alors, Silicone? ça donne du silicone, je crois. Et c'est intéressant. Attends, j'ai bientôt plus d'oxygène dans mes... Et dans mes petits... Hop. Ah mince. Non, c'est celui qui est pas plein, lui. Ah, c'est toi qui viens de le mettre? Ouais, je viens d'en mettre un. Ok. Alors, justement, pour ce problème d'oxygène, ce qu'on nous a proposé, c'est de faire un... On peut remplir notre zone ici d'oxygène. Vas-y. Hop, je vais mettre le mien qui est vide. On peut remplir ici notre zone d'oxygène. Pour ça, il faut... Comment ça s'appelle? Un bubble distributeur. Alors, plusieurs choses, ouais. Ouais. Oh. Attends. Ouais, un bubble distributeur. Donc ça balance de l'oxygène dans une bulle autour du bloc du centre en utilisant des tanks internes. Donc il faut des tanks d'oxygène. Et ça permet de respirer Dans la zone où qu'on est. dans la zone. Mais ce qui est mieux, c'est l'oxygène sealer. Ça cherche un endroit fermé. Et si ça le trouve, c'est rempli d'air. Alors par contre, il faudrait qu'on regarde. De toute façon, on peut pas les crafter pour l'instant, ça demande trop de matériaux. Mais il faudrait qu'on regarde comment faire un... Je sais pas si la porte est considérée comme Non. un espace clos. Et pour ça, il faut faire des... On l'avait vu tout Des à l'heure. airlock frame, je crois. Ouais, voilà, c'est ces trucs-là. Des airlock frame et des avec un airlock contrôleur. Comme des SAS, en fait. L'idée qu'on a... C'est faire un peu comme Planète Base, des petits différents petits igloos comme ça là comme on a pour structurer un peu le tout. Alors aujourd'hui on va essayer de faire, si on a assez d'éléments, on va se balader un petit peu aussi. On va essayer de faire deux igloos, un pour la bouffe, parce que mine de rien on a encore des canisters, mais il faudrait qu'on plante toute notre bouffe. Et un pour les machines, parce qu'on va commencer les machines aussi. Autre chose, le savais-tu? Attends, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils se Oui. cachent? Ouais, alors tu sais que les météores qui tombent, tu peux les décomposer en fer. Et du coup, je viens d'avoir 36 de fer, je suis plutôt content. Oh, ça va, tranquille. Je vais le faire cuire. Pour refaire du fer. Va faire du fer. Attends, non, ça cuit pas. Comment le... Il faut... Non, je suis bête. Il faut le composer. C'est ex nihilo, c'est classique. De la même, pour avoir... Oh, quoi tu me... D'accord, très bien. Pour avoir plus de matériaux, il faudra qu'on aille sur Mars. Parce qu'apparemment, toutes les automatisations avec ex nihilo ne peuvent se faire que là-bas. Donc c'est pas pour tout de suite, tout de suite. On essaiera de faire des fusées, évidemment. Mais avant ça, il faut qu'on se fasse une petite base. Ah, t'as mis une torche, t'arrêtes ça en bas. Oxygène, tank, full, c'est bon. Les autres choses que vous nous avez apprises, c'est que on a des minerais sur la Lune, donc j'irai miner un petit peu pour trouver des cavernes, voir qu'est-ce qu'on peut avoir. Même si on peut pas avoir de torches. Je sais pas si je peux augmenter. Ouais, j'augmenterai peut-être ma luminosité. Les torches, tu peux les faire avec de la glowstone, je crois. Ouais, on peut les faire avec la glowstone, mais on n'en a pas non plus, tu vois, des milliers si on a besoin de glowstone. T'es un petit peu chiant. Hop, donc du coup, alors attends, je vais me refaire une pioche en fer. Ah, carrément, de faire. Bah ouais, et en fait, mec, je vais récolter des météorites là. Il y a plein de météorites qui sont tombées. Les météorites te donnent du fer. Elles t'en donnent 12. Elles te donnent 3 de fer. Chaque météorite. Ah, cool. Par contre, elles sont longues à miner. Moins cool. Ah, il y a autre chose bizarre, c'est vrai que c'est les arbres poussent sur la Lune. C'est dommage qu'on n'ait pas de base, une mini base avec justement des sas pour l'oxygène. Ça aurait été plus sympa. On doit mettre évidemment notre combi pour sortir, mais des vrais sas. Ah ouais, non, mec, c'est trop trop long à miner, il faudrait des diamants. Bah, on en a 4. On a 4 de diamants? Ouais. Sérieux? Oui. Est-ce qu'on ferait pas la pioche en diams? Interdite. Bah, vas-y. Après, je sais pas, c'est risqué. Je sais pas si on a des diamants en fait sur la Lune. Ah bah très bien, je me suis fait... On peut le générer, donc au pire. Attends, je me suis fait pisser dessus. D'accord, on peut pas la récolter. Au fer. Au fer, ouais. Est-ce que Wild. Ah bah non, il n'y a pas Wild là. Pas Wild là, Harvesting. Fuck. Ouais.
Ouais, il a harvesting, mais dis pas. Les Fallen Meteor, apparemment. Attends, est-ce que. Bah, soit tu les génères, soit faut peut-être un truc en diams. Est-ce qu'ils sont soumis à la gravité? Non. Ah si, ils sont soumis à la gravité. Haha. Est-ce que ça fait comme les œufs Ah, de les fameux. dragon? Bah, prends une torche et. Ouais, on va tester ça. Ça serait bien de pouvoir les récolter. En plus, j'ai l'impression que là-bas, il y en a de la couleur, une couleur différente. Hop. Ah bah non. Pas du tout. Il s'arrête sur la torche. Attendez, on va se balader juste un petit peu. Ouais, on a des entrées de grottes. Ouais, non, de loin, en fait, ils sont orangés. Dès qu'on s'en approche, ils deviennent marron. Hop, celui-là, celui-là. Ah bah si, ouais, c'est ça. Ils sont orangés, ils deviennent marron. Le soleil s'est levé. Je vais aller miner un petit peu. Que t'en penses, FP? Est-ce qu'on irait pas miner un petit peu, voir qu'est-ce qu'on obtient? J'ai une entrée de caverne, je crois, ici. Je suis en train de faire une petite quête, la fameuse quête que j'attends depuis des lustres. Attends, c'est la mini entrée de caverne. Ah, ça descend. Eh, Hop. par contre, ouais, le seul problème, c'est que j'ai pas beaucoup de torches, les gars. Et vous allez rien y voir. N'y vois rien. On a de la mou. On n'est pas en Afrique, on est sur la Lune. Il y a des gros trous. Faudrait que je mette. Oh, limite, faudrait que je me donne night vision. C'est juste. Moi, je. Oh, il y a des creepers. Alors attendez, j'ai pas d'épée, donc non. Les creepers en scaphandre, on va oublier. Surtout qu'ils ont plus de points de vie normalement. Oui, deux fois plus. Bah voilà. Donc on sait le truc. Je vais peut-être me donner night vision, les gars. Uniquement pour que vous puissiez voir bien, puisque niveau torche, on peut pas en faire. Moi, je vois en fait, mais je sais que sur les traitements YouTube, vous verrez rien. Par contre, c'est pratique, mec, d'avoir le jump boost pour remonter. Oui. Bref, je vais me stuffer un petit peu et on se retrouve juste après. Volonté. Oui. Voilà, on reprend avec épée. Alors, donc, ce qu'on a prévu de faire, la première chose, donc, on... ah bah très bien. Épée? Oui, je suis là. Je me suis fait. Serveur is full, MDR. Je me suis fait déco, je me suis fait time out. Et je peux plus me connecter. Est-ce que tu peux me kicker? Ouais, je vais te kicker. Hop. Oui, je peux Merci. enfin le kicker. Merci, je sais pas trop pourquoi sur la déco. Donc, les sphères et tout ça, on va faire. Le problème, c'est qu'on a besoin de matériaux. Le matériau, c'est important. Ce que j'ai vu, la seule façon de le faire, il faut qu'on automatise et il y a un moyen très simple de faire. On doit passer par Mineshem. Passer par Mineshem et par le gravier. En fait, le gravier est simple à produire. On va voir comment. Et après, quand on le passe dans des sieves et on faut qu'on fasse des automatiques. Celui-ci là, Automatic Sieve de Hexastris. Quand on passe dedans, on a déjà tout ce qu'il faut. Avec de l'énergie, ça sieve automatiquement et on va avoir des tonnes de minerais. La solution, en fait, c'est comment on obtient du gravier. C'est grâce à de l'obsidienne. Ça paraît étrange, mais pour un d'obsidienne, on obtient combien? Je t'ai dit, ouais, 16 graviers, je crois. 16 graviers, ouais, 16 graviers, donc pas mal. Et pour produire de l'obsidienne, et ben comment on va faire? On va utiliser des crucibles et on va injecter de la stone dedans. La stone, on en a énormément. Donc on va déjà mettre ça en place. Je vais récupérer ça ainsi que ça. On va mettre un peu de moon dirt. D'ailleurs, on n'a pas un deuxième crucible. On n'avait pas fait plusieurs. On peut en faire vu la cobble. Ouais, sauf s'il faut un. Attends, est-ce qu'on a assez de charbon? Oui, on a 24 de charbon. Vas-y, go faire quelques crucibles. On va essayer d'automatiser tout ça. Voilà, deux crucibles en plus si tu peux faire. On avait les énergies. Mais Crucible, le celui que on avait le charbon dessus? Le charbon gelé, ouais. Non, mais le Crucible, le simple four vanilla ou modé? Mais il n'y en a qu'un seul. Crucible on fire et que tu mets en crucible avec la porcelaine clé. Ah oui, Ah bah bah, le chat qui miaule évidemment, le pire. celui-là. Je me disais bien. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hop, il nous faut de la bonne mille et de la clé. Je sais pas si t'en as assez. Si, On c'est va bon. voir. Il nous faut des transferts nodes. Transferts nodes.
Mais c'est pas là juste. Ah oui, on n'en a pas de transfert node. Donc attends, le stone slab c'est facile, la glace, un peu plus chiant. et on peut. Alors on peut faire de la glace. Alors ce qu'on va faire dans un premier temps, excusez-nous, on va s'en sortir parce qu'il faut qu'on fasse les transferts nodes et pour ça il nous faut des vitres et je veux pas prendre le sable qu'on a ici. Par contre, le sable on peut le synthétiser. On peut le synthétiser et il nous faut un chemical synthétiseur. Donc. Le synthétiseur. Why do all the work? Non, c'est pas ici, c'est dans I was bad at math. Ouais, c'est ça. Molecule and stuff. Il faut qu'on fasse de l'hydrogène et de l'oxygène. Je crois qu'en décomposant de l'eau, ça fonctionne. Est-ce que j'utilise un seau? J'ai peur que ça me décompose le seau en Va fait. décomposer le seau. Oh, bon, on a deux seaux. On peut. Vas-y, on décompose le seau. Hop. Parce que sinon, il faudrait faire des fioles en verre. Ouais, mais c'est de la glace. Ou alors des pipes pour amener directement de l'eau, mais bon, vas-y, hop, on le décompose. Donc, j'ai eu mass iron, du H2O, et sauf qu'il nous faut de l'hydrogène et de l'oxygène, donc on va découper tout simplement le H2O. Pas de Et la glace. on obtient de l'hydrogène et de l'oxygène, voilà, 32,16. On va trier tout ça. Et il nous faut de la cellulose, alors la cellulose, c'est simple, c'est le bois, je crois, ou Oui. les saplings. On va décomposer le bois. Tiens, j'ai de l'hydrogène et oxygène dans le truc. Ah bon bah cool, bah écoute on en a plein. Tu le fais principalement avec la glace. La glace, ice. De la ice directement. Ok. Cool. Cellulose, il nous en fallait 10, j'en ai combien? J'en ai 8. On va en faire un peu plus. Ah très bien. J'ai mis un truc de bois, ça l'a pas décomposé. Tiens, c'est du rose, il y en a un. Je t'en ai fait un. Ouais, j'en ai, mais. Ah, voilà, il a détecté. Ouf, le son. Et on a notre chemical synthétiseur. Putain, mec, l'arbre, c'est moi ou l'arbre, il s'est vachement étendu? Non, c'est moi qui l'ai tendu pour qu'il puisse enfin collecter plus D'oxygène? d'oxygène qu'on fera D'accord. plus tard. Excellent. Ok, donc on a notre chemical décomposeur synthétiseur. Alors pour l'instant, c'est fait un petit peu à l'arrache hein, parce qu'on n'a pas de quoi faire des câbles et tout. Comme on vous l'a dit, on fera des belles sphères à la planète base un peu plus tard. Pour l'instant, on se set up. Tiens, pourquoi il y a la cellule ici? What the fuck? Il me faut avoir Et du fer. maintenant qu'on a ça, on va pouvoir. Est-ce qu'il nous reste du gravier? Alors du fer, j'en ai fait cuire. Ah bah non, tiens, j'en ai deux. Hop, tu voulais. Il m'en faut 27. Ah, il t'en 31 faut plutôt. 27 pour faire quoi? Un compresseur qui nous donnera ensuite 3 blocs de fer. Donc ça nous rembourse en fait. Alors attends, j'ai fait fondre mon seau en fer. Donc j'ai 26 de fer en le synthétisant. Je sais pas d'ailleurs comment ça synthétise comme ça. Il faut regarder la recette. Iron. Synthétisation du 16 fer. en un seul bloc. Ouais, c'est 16, ok. Voilà, 4 de fer, tiens. C'est bien, ça va vite avancer. Attends, wait. Non, on en avait déjà, parce que j'étais en train de me dire, j'ai un seau d'eau, on a encore du fer. J'ai un seau d'eau que j'ai transformé de 3 de fer que j'ai transformé en 4 de fer, je comprenais pas. Ça serait Donc, cool. il nous fallait un peu de sable. Est-ce qu'on aurait du gravier qui reste en stock? Non, tu l'as tout torfé, je crois. Fait. On a encore 64 de fer. On n'a pas de gravier. Alors attends, on va obtenir du gravier. Hop. Le gravier, ouais, c'est dans chemical, c'est du silicone et oxygène. Silicone dioxyde. Silicone dioxyde. Non, on en a, je crois. Ouais. Silicone. Merde, on l'a découpé le silicone dioxyde. Ok, silicone dioxyde et de l'oxygène. Et quoi d'autre? C'est tout. On peut faire le gravier. Non, pour faire du sable. Moi j'ai bu. Ouais. Ah oui, c'est que du silicone dioxyde, t'as raison. Et donc le silicone dioxyde, c'est du silicone et d'oxygène. Vous voyez, avec Mindchem, on peut absolument tout Faire. synthétiser, c'est ça qui est pratique. Hop, voilà, là j'ai fait masse. Est-ce qu'il me reste de l'oxygène? Non. Ceci dit, l'oxygène, je dois pouvoir la décomposer.
Une autre façon, je me demande si... Tu sais, ouais, on peut faire des oxygène canisters. Je pense qu'on peut injecter directement de l'oxygène en fait dans un chemical synthétiseur. C'est pas mal ça. On teste. Bon, ceci dit, voilà, hop, le décomposeur, c'est fait. C'est 4, 4, 4, 4. Et il me fallait... Oh merde, il me manque du silicone dioxygène. Silicone dioxyde. Non, il manque de l'oxygène en fait. Hein. Bah, il y en a dans le... Non, j'ai tout pris. Non, j'en ai rajouté. Oh, ok, cool. Sinon, avec de la stone, tu peux obtenir de l'oxygène. La stone, on en a plutôt à l'infini. T'en as rajouté où? Dans le décomposeur. Ah, ok. Mais directement là. Sachant que l'oxygène, tu peux l'obtenir avec la cobble. Oui, c'est ce que je te dis. Avec de la cobble directement, ouais. Et on en a 6 en plus. Alors, par contre, à chaque fois, je t'avoue que c'est chiant parce que. Il nous faudrait un bouquin plutôt que de remettre tout comme ça à chaque fois. Bon, c'est pas grave, j'ai mes deux. J'aurais pu faire du verre directement. J'ai pas pensé. C'est pas grave, on va le faire cuire, on est comme ça. Donc, on va pouvoir faire nos transferts nodes. On a les trois crucibles. Merci, mon cher épée. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir les mettre. Alors, faut qu'on on va les faire un peu en profondeur, les crucibles. Mais cool, du titanium. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut en faire de la titanium? À vrai dire, non, on va pas les faire en profondeur. What? Ça, c'est un truc de craft. Oh, j'aime bien cette épée. What? Ça fait ça. Non mais. Il y avait D'accord. un bloc invisible. Ah, d'accord. Hop. Faudra un autre crucible après. Le mec pas chiant. Et ça a cuit. Et du coup, tu mets quoi dedans? Il nous fallait de la stone pour faire des dalles. Il nous fallait un redstone et je crois que c'est bon. Alors attends, il faut que je fasse mes transfer pipe. Et normalement, sous vos yeux ébahis, je sais pas si on peut pomper directement de Non. devant. Non, il faut un transfert node par contre. Et on relie celui de derrière à celui de devant. Que ça se met dedans. Oui, c'est juste que lui doit chercher plus d'inventaire du coup. Ou pas. Faudrait qu'on Non? court-circuite le truc. Est-ce qu'on peut bouger le barrel sans que ça explose? Non, il te faut un petit diable. Ou un truc de Jabba, attends. Voir s'il y en a un. Hop. Une dolly. Je peux faire une Doliprane? dolly. Oui. Il faut un peu de fer, c'est tout. Un peu de bois, je veux dire. Vas-y, essaye de faire un dolly, on va le bouger. Normalement. Normalement, ça devrait pouvoir s'injecter. Bon, dans le pire des cas, si ça fonctionne pas en automatisation, pour l'instant, on va le faire manuellement. C'est cher une dolly. On remplit les crucibles. Alors, ça, c'est un petit peu long, malheureusement, mais il faut que ça se transforme en lave, en fait. Voilà. Oh, excellent. Alors, je vais voir si ça injecte. Non. Coup directement dedans ou pas? Le problème c'est que c'est full. Attends, si j'en casse un. Oh, mec. Il s'en va à l'autre bout le truc. Crucible. Mais non, ça... Ah si, ça y est, ça s'injecte. Parfait. Donc là en fait, on a automatisé la production de lave. La seule chose, c'est que bon, donc ça va faire de la lave. C'est long à produire la lave pour l'instant parce qu'on n'alimente que au charbon. Quand on aura les autres blocs, là, ça sera beaucoup plus rapide. Par Notamment de terre. la lave. Attends, j'en ai fait voler un. Space. J'ai dû le récupérer. Avec la lave, on va produire de l'obsidienne, comme je vous ai dit. Et ensuite, en mettant le chemical décomposeur et juste à côté un automatic sieveur. Parce que dans le chemical décomposeur, on peut faire des outputs, je crois. Pourquoi pas?
je sais pas si on peut le sortir, mais avec des câbles, on le fera manuellement, on va pouvoir produire masse minerai. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que la lave se produise, les gars, et on se retrouve après pour vous montrer tout Okay. ça, la version automatique. Pas tout de suite. Ah, ma sapling. Ah, oh, ta sapling, elle est tombée dans la lave. D'ailleurs, on devrait protéger la lave ici, mec. Si je mettais une dalle par-dessus, pour éviter de tomber dedans, qu'en dis-tu? Ouais, volontiers. Ça, j'ai failli faire plouf. Ouais, en plus, t'as vu, ça brûle à chaque fois le. C'est qui va finir par brûler ce tank. Hop. Ce barrel. Donc, regardez, c'est magnifique. On a produit de la lave et vous voyez que ça en produit masse. Hein. Ça continue à en produire, à en produire, à en produire. Tiens, La cobblestone, ça l'a balancé dedans, donc c'est bon. petite question. Grâce. À la Oui. place du charcoal block, est-ce que tu ne mettrais pas de la lave directement? Est-ce que ça chauffe plus vite? Je me pose la question. Si justement je crois que ça chauffe x2. Alors, tu sais quoi? Je vais chercher un seau. C'est une très bonne remarque, mon petit épée. Je Je vais vois. chercher un seau. Enfin, ça brûle encore. Hop. Et c'est x2. C'est x2, ok, bah super. Donc, bon, nos premiers trucs de lave. Alors, par contre, attends, je vais récupérer la lave ici pour éviter de brûler les blocs de colle. Ah, C'est tout à fait précieux. Bon, intéressant. même si on va pouvoir en produire vraiment à l'infini après. Oui, une fois que c'est parti de toute façon. Voilà, et c'est x2, ça va aller beaucoup plus vite. Même x2. Donc, on va continuer à produire. Alors, maintenant, comment on va automatiser un peu le truc? On va y aller par étapes, les gars, parce que ça demande. Enfin, ça se fait pas comme ça, hein, c'est pas aussi simple. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est des liquides, des transfert nodes liquides. Pour ça, c'est pas la mort, on a tout ce qu'il faut. Je crois que les On a. transfert pipe de base transfèrent le liquide. Tu crois que les transfert pipe. Oui, il me semble, oui. Mais par contre, il nous faut Ah quand même oui. un transfert node. Ouais, Est-ce qu'il nous spécial. faut un transfert node? Même pas, non, parce qu'on se base. Si, sur le crucible en fait, je me pose la question. Est-ce qu'on n'aurait pas un tank? Bah, le seul tank qu'il y a là, c'est actuellement, bah, c'est le fuel. Hein. Alors, on va essayer un truc épais. Mais je pense qu'à partir du moment où on absorbe. Ouais. Ouais, c'est bien ce qui me semble. Ben, je pense qu'il nous faut quand même un. De toute façon, dans tous les cas, il faut le faire pour une quête, ok? Et on en aura besoin après du transfert note, parce qu'après, si vous voulez, si on veut tout automatiser proprement, après, il faudra qu'on décompose l'eau. Tout à l'heure, on a décomposé un seau d'eau, mais on peut directement mettre de l'eau avec un transfert node de flotte, en fait. Donc, c'est ce qu'on va faire après. Est-ce que tu n'aurais pas vu mes petits câbles? C'est des pipes rouges Si, d'énergie. si, je les ai vus dans un. Tiens, ils sont là. Ah, je les ai pas vus, je suis bigleux. Parce que donc pour crafter, ça coûte moins cher de les faire comme ça. Alors il nous faut un seau aussi. Il nous faut de l'iron. Est-ce qu'on a de l'iron? Est-ce qu'il nous reste de l'iron? Oh, épée, l'homme à tout faire. C'est l'iron que je veux depuis tout à l'heure. Oui, mais j'avais besoin du transfert node. Et après, on va avoir de l'iron infini. Bon, bah ça va. Ouais, le seul problème, c'est que ça va marcher. Je sais pas si ça va marcher. Ah, mais attends, tout à l'heure, on va attendre un peu. Combien on a de. Oh! Oh, ça l'avait transféré. Fût de lava, 0. Ça fonctionne bien. Donc, il nous en faudrait 3 comme ça. Toc, toc. Et ce qu'on va faire. On peut le mettre plus bas. Non, on va le mettre plus bas. On va faire un truc joli. Non. Je sais pas ce que tu veux faire, mais oui. Boucher le terrain. D'accord. C'est déjà bien. Un peu obligé de le mettre aussi loin. Ah oui, vas-y, transforme. Ah. Logiquement comme ça, hop. Duc. Vas-y, mycélium, pousse. Alors évidemment, il n'y a plus de. Ah si, là. Voilà, la lave est transférée, les gars. Et maintenant, regardez, sous vos yeux ébahis. Alors il me refaut un seau. Est-ce que tu aurais un seau? J'ai un saut sur moi. Merci. Les gars, on va pouvoir faire une méga automatisation sur cet épisode. Ça va être beau. Vos yeux ébahis. Alors là, on fait ça, 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 hop.
On met de l'eau par-dessus et il me Ah. refaudrait un transfert node. En gros, il me Ok. refaut un transfert node que je balance dans Juste. un automatique sieve. D'ailleurs, attends, on a dû compléter une quête ou deux. D'accord, donc dès que tu as la source de lave, ça fait de l'opsy. J'avais pas Ouais. calculé. Je l'avais Dès que fait sur le la TP, lave, en mais. fait, qu'on a 1000, avec l'eau par-dessus, ça te transforme en opsy. Ah, on a des speed upgrades. Alors les speed upgrades vont servir à rien dans ce cas-là. Mais tu vois, il me faudrait deux transfert nodes en plus pour les mettre dans les autres crucibles. Ouais. Tant qu'à faire pour ce que ça aspire partout. Ça serait beaucoup mieux, ça irait beaucoup plus vite. Après, il nous faut que... Donc vous savez quoi, on va continuer d'automatiser. Et on se retrouve juste après, épée. Pour finir l'épisode tranquille, on aura automatisé quand même pas mal de choses, c'est le début. Il faut vraiment que là, pour l'instant, jusqu'à présent, les trois premiers épisodes, on a découvert un peu le modpack, si je puis dire. Là, on va commencer à automatiser pour avoir tout ce qu'on veut et partir vers d'autres horizons. Petite question, tu veux du lead ou tu veux du silver en mainchain? Je t'avoue qu'il me semble que le lead était un peu plus important, mais je suis plus sûr. C'est une quête en fait, il fallait laisser un synthétiseur et ça l'avait pas déverrouillé. Ah, on du lead, du silver, je sais qu'on peut en obtenir après. Ok. Alors donc, bon, du coup on va crafter encore un peu plus ces trucs-là, sachant que je peux évidemment, avec mon canister ici, on va prendre de la lave, on va la mettre directement ici. Alors par contre il faut beaucoup de lave je crois. Hein. Ouais, 1700, je sais pas combien il faut de lave. J'ai une tonne de gold. Je crois qu'il juste un saut. Bah Mille. juste un saut, pourquoi ça la transforme pas en... C'est dans un barrel, je crois qu'il faut Ah, c'est pas dans un crucible, c'est dans un barrel. un simple barrel Mais par en contre stone. un barrel costaud. Bah, faisons un en stone et puis c'est bon. Ouais, vas-y go, on va en faire un maintenant. Ah bah oui, parce que là, oh le boulet. J'ai fait de l'obsidienne par terre, mais je peux pas la miner. Oh, c'est pas grave, on perd un saut de lave. Il faut la faire impérativement dans un barrel, pourquoi? Parce qu'évidemment on n'a pas à la miner. Je sais pas pourquoi j'ai fait dans un crucible, bref. Bah on va la transposer dans un barrel. Attendez, on va prendre ça. Vérifie Hop. bien le craft du stone barrel et ouais, c'est ça. On va couper le node ici. On pourra mettre un crucible de plus si on veut augmenter la prod, hein, une fois de plus. Avec de la lave en dessous. Même si là on va déjà avoir une prod importante. Bref, on réellipse un petit coup, on continue tranquillement les trucs et on vous montre à la fin, une fois que la première partie de l'automatisation sera faite, on finira le reste dans un autre épisode. A tout de suite! Tout de suite. Oh Voilà. là là, de l'obsidienne! On en a 5. Bon, on a le temps, on peut aller jusqu'à 16 300. Ce qui est cool, c'est que maintenant ça produit de l'obsidienne automatiquement. Donc. Comment ça remarche? Petite réexplication. On produit de la cobble à l'infini ici avec une source. Il y a de la lave là-dessous, hein. Avec une source infinie. Enfin, avec lave et source d'eau, et ça fait production de cobble infinie qu'on balance dans nos crucibles qui produisent de la lave. Alors, on la voit pas la lave en fait, parce qu'elle est constamment absorbée dans le stone barrel. Tu vois, 38,8%, 43, 45. Ça va assez vite. 46, 47. C'est pas update en direct 50. Donc la lave monte, 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 monte. Et une fois que ça arrive à 100%, la source d'eau au-dessus transforme la lave En opsy. en opsy. Après, chose importante, le transfert node ici, positionné ici, il faut impérativement le mettre En dessous. en dessous. Si on le met sur le côté, ça marche pas. Et ensuite, on n'a plus qu'à le réinjecter bah, dans le Better Barrel, on obtient de l'obsidienne. Et alors. Hop, là où je vous ai dit que c'était important, on va vous montrer tout de suite. Tiens, viens avec moi, épée, on descend dans la cave. alors attends, si tu me permets, je vire tous les. Tu sais qu'après, il va falloir faire un classement des items, parce que c'est l'enfer après, sinon. On décompose l'obsidienne, qu'est-ce qu'on obtient? Du silicone. Alors on obtient du magnésium oxyde, on verra à quoi ça sert, mais surtout on obtient du silicone dioxyde et le silicone dioxyde. Merde, attends, non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Attends. Gravel. Ah, oui, c'est comme ça. Voilà, et là, regarde, boum! 19 de gravel.
Ah, ça c'est cool. Et donc le gravel, ensuite on peut le sieve et on obtient pas mal de choses grâce au gravel. Alors le seul truc c'est que, évidemment, on va pas le faire à la main. Là vous avez Naturellement. vu, j'ai obtenu charbon, broken iron. Tiens, ça descend tout seul. Voilà, on obtient encore plein 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 de trucs, etc. Tiens, je t'en mets, tu peux taper dessus comme ça. Voilà, vous avez vu, voilà, on obtient de l'aluminium, de l'iron, on obtient. Je sais plus qu'est-ce qu'on obtient exactement avec le. Avec, voilà, alors, du tin, bon, 6% de chance, du lapis 5%, l'émeraude 1%, diamant 1%, l'iron 20%, donc c'est pas mal quand même. Ça veut dire qu'en gros, 1 sur 5 c'est de l'iron et on obtient 16, on obtient 3 d'iron normalement par obsidienne. Good. De l'alu, du copper, du silver, du flint, du coal et de l'or. Donc ça, pour le faire, ce qu'on fera la prochaine fois en épisode, comme ça on vous le dit directement, on fera un automatic sieve. De toute façon, c'est dans une des quêtes, je crois. Si je dis pas, elle est là, elle est là. Hop, c'est dans Why Do All the Work. Voilà, un automatic sieve. Seulement, automatic sieve. Qui dit automatic sieve dit énergie. Et pour ça, donc, on va avoir besoin d'énergie. On fera. T'inquiète pas, j'ai tout préparé pour ce qu'il faut. T'as fait l'Incest Stirling Generator avec la petite feinte? Ah non. Non? T'as mis quoi comme énergie? On va utiliser les panneaux solaires de Galactic Craft. Oh, c'est encore mieux. Oups là. Bon, Attendez. bien sûr, quand il fait jour. Sinon, c'est pas drôle. Hop, j'appuie sur la mauvaise touche. Attends, excuse-moi, j'étais sorti du plein écran. Ah ouais, c'est vrai que ça fonctionne que quand il fait jour. Bah écoute, on mettra les panneaux solaires. Sinon, la solution, comme je t'ai dit, c'est de le faire avec les Lindsay Stirling Generator. On fera ça d'un côté, en fait. On vous détaille un peu tout. Qui fonctionne, le gros avantage des Lindsay Stirling Generator, c'est qu'il suffit qu'on les alimente en oxygène, si je dis pas de bêtises. Et avec un transfert node liquide mis sur de l'eau et balancé dans le chemical décomposeur, on produit directement de l'oxygène. Et normalement, il faut que je vérifie, mais je crois que ça produit plus d'énergie que ça n'en consomme. Ça c'est bien. Il faut que je vérifie ça Aurais-tu par un contre. seau? Oui, regarde. Le petit seau. Bref, sur ce, les amis, on vous laisse. On aura produit de l'obsidienne aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Et on vous dit rendez-vous à la prochaine pour encore plus d'automatisation. Et on fera les sphères. En fait, les sphères, pour faire des belles choses, il nous faut surtout beaucoup de verre. On va les faire en verre, pour faire des dômes, des trucs comme ça. Et pour faire le verre, on est obligé d'automatiser tout avant. Donc Oups. on était sûr. Le petit effet Wither. Donc oui, Épée a fait de la Witch Water pendant ce temps. Elle est où? Elle est ici, je crois. Je l'avais vu, ouais. On avait des graines de mycélium, du coup la Amusé. Witch Water, où le mycélium va servir. Je sais plus pourquoi, mais pour transformer certaines choses. Voilà, sur ce, rendez-vous à la prochaine. Ciao, 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 les gars. Chou chou.